Bonjour à tous et bienvenue sur Buzz TV, la chaîne de l'actu. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner et à la commenter. Harry Boulogne, fils putatif d'Alain Delon, a été retrouvé mort à son domicile dans la nuit du vendredi à samedi. Une femme de 58 ans, qui serait sa compagne, a été placée en garde à vue pour non-assistance à personne en danger. C'est vers 4h du matin que les forces de l'ordre ont appelé cette femme, âgée de 58 ans, qui vient de découvrir le corps du photographe. La quinquagénaire qui dit être une amie d'enfance d'Harry aurait expliqué qu'elle rentrait de voyage en région. Selon les premiers éléments, il avait été transporté récemment par les secours à l'hôpital européen de Georges Pompidou. La dernière fois que j'ai échangé avec lui, il y a un mois, il était en fauteuil roulant, à la suite d'une mauvaise chute, glisse une source proche de la victime. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner et à la commenter.